Nous ouvrons les clés du monde avec James William Baguidi. Bonjour à vous, James. Bonjour à vous, Loris Freddy Davo, et bonjour à tous les amis téléspectateurs et auditeurs. Au menu ce matin, Antonio Guterres en Centrafrique. Une visite pour rien, c'est une interrogation. Je vous en avais parlé tout au début de cette tranche d'antenne de cette émission. Alors, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, achève ce 27 octobre 2017 sa première visite en République centrafricaine, pays sinistré, où tout est à faire ou à refaire. Alors, la toute première question que je m'en vais vous poser, James William Baguidi, vous le savez, il a entamé cette visite le 24 octobre qui, vous nous en avez parlé ici, est la journée, la journée internationale des Nations Unies, évidemment. Oui, alors, est-ce une coïncidence ou vous en faites toute autre lecture? On ne peut pas dire que pour une personnalité de cette envergure, de ce niveau, le choix d'une date pour débuter un voyage dans un pays peut se révéler totalement être de l'ordre de la coïncidence. Surtout quand on connaît la République centrafricaine. Oui, justement. Quand on connaît la République centrafricaine et on connaît le 24 octobre comme étant le jour des Nations Unies, le jour de naissance des Nations Unies et qui, donc cette année, célébrait leur 70e anniversaire, on peut déjà s'imaginer que ça ne peut pas être une coïncidence. La République centrafricaine au cœur du continent africain, vous l'avez dit, est un pays sinistré. Le choix qui a donc été fait par le secrétaire général des Nations Unies pour se rendre sur place procède avant tout d'un symbole. Le symbole de ce que l'Organisation des Nations Unies veut consacrer plus de temps, plus d'attention à la situation en Centrafrique et veut surtout parvenir à régler ce problème qui n'a duré que trop longtemps. Ainsi que vous le savez, la Centrafrique est en crise depuis les années 2000. Je dirais même vers la fin des années 90 avec le président Ange Félix Patassé qui a connu et affronté de nombreuses rébellions et mutineries. À lui aura succédé le président Bozizé qui l'a renversé à l'occasion d'un coup d'État. Bozizé lui-même renversé une dizaine d'années plus tard. Pas un autre coup d'État commis par Michel Djoto Dia. Des problèmes qui étaient des problèmes politiques sont devenus avec le temps des problèmes ethniques et plus au-delà même du problème ethnique se pose aujourd'hui un problème communautaire qui oppose d'un côté des musulmans et de l'autre des chrétiens. En réalité, la population elle-même chrétienne ou musulmane n'est pas forcément intéressée à cette rivalité, mais ce sont des factions rebelles qui est au sein de l'État centrafricain pour le contrôle du territoire, pour le contrôle des ressources, engendre et entretient cette crise que le secrétaire général des Nations Unies a décidé de venir voir dans quelle mesure il peut solutionner. Donc le choix de ce 24 octobre pour débuter cette tournée, une tournée qui a duré quand même 4 jours, c'est extrêmement rare pour le secrétaire général des Nations Unies, pour une personnalité de son envergure, comme je l'ai déjà dit, de se rendre dans un pays et d'y passer autant de temps. Le secrétaire général des Nations Unies s'est rendu à plusieurs endroits en Centrafrique où la crise est prégnante, où la crise est très importante et il a pu toucher du doigt vraiment une situation qui est extrêmement grave. Alors, la question suivante, je vous la pose comme si vous étiez de la délégation de Antonio Guterres. Alors, dans quel état a-t-il trouvé la Centrafrique? Oui, vous savez, on n'a pas besoin d'être de la délégation d'Antonio Guterres pour imaginer et pour voir déjà à travers les images qui nous sont renvoyées. Et pour ma part personnelle, je connais un certain nombre de Centrafricains avec qui j'échange et qui parfois me parlent de ce que leur pays est devenu. On voit ici Antonio Guterres accueilli à l'aéroport et quelques instants plus tôt, on l'a vu en train de visiter à Bangassou ces populations musulmanes qui sont contraintes pratiquement de vivre sous la protection de l'Église catholique, sans quoi les milices anti-Balaka qui se réclament de religion chrétienne les auraient probablement massacrées. L'état dans lequel se trouve la Centrafrique est un état extrêmement grave qui procède pratiquement de
du nettoyage ethnique ou du pas vers le génocide. Vous savez, aujourd'hui, la Centrafrique est dans un état extrêmement délétère. Il y a un contrôle sommaire qu'exerce le gouvernement d'Archange Touadéra, de Faustin Archange Touadéra sur la capitale et sur quelques zones autour de la capitale. Mais au-delà de cette zone située beaucoup plus à l'ouest, le territoire de la Centrafrique est sous le contrôle de nombreux groupes rebelles, de nombreux groupes armés hétérogènes qui se fondent sur ces questions communautaires pour la recherche de leurs intérêts propres. Et donc, pour certains, demandent la partition du pays. Pour d'autres, ne visent que l'exploitation des ressources minières qui sont extrêmement nombreuses en Centrafrique. On sait très bien que la Centrafrique est l'un des pays les plus pourvus en diamants sur le continent africain. Et s'il était un pays en paix, un pays bien gouverné, je pense que ce serait un des pays les plus riches du continent, à condition bien sûr que les thèmes de l'échange, ça c'est une autre paire de manches, que les thèmes de l'échange international puissent être des thèmes équitables. Donc, Antonio Guterres a trouvé une Centrafrique meurtrie, une Centrafrique au bord du génocide, une Centrafrique qui est en plein dans une crise humanitaire qui n'a que trop duré. Et Antonio Guterres, venu pour apporter des solutions, a entendu beaucoup de choses qui probablement l'ont laissé sans voix. Vous en parliez tantôt. Quelles sont-elles ces solutions que Antonio Guterres compte apporter sur place? Bon, Antonio Guterres est déjà venu dans un premier temps toucher du doigt ce qui se passe. De nombreux rapports des Nations Unies et des organisations humanitaires ou même des organisations des droits de l'homme, des ONG privées, des ONG donc des droits de l'homme, ont révélé que la situation en Centrafrique était une situation grave. Et donc, en tant que secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres est venu pour se rendre compte par lui-même de cette situation et proposer éventuellement des solutions. Déjà, avant même son départ, il estimait que la MINUSCA, la mission des Nations Unies pour la stabilisation de la République centrafricaine, était en sous-effectif. Il a constaté par lui-même également que c'est seulement 30% des besoins de la Centrafrique qui sont pourvus par l'assistance internationale. Donc, 70% des besoins ne sont pas couverts, ce qui donc laisse la Centrafrique plus que jamais dans son état catastrophique. Donc, il propose notamment l'augmentation du nombre de casques bleus. Il propose, ne serait que dans un premier temps, de porter les casques bleus à 900 casques bleus de plus sur les effectifs qui sont actuellement déployés sur le territoire et qui, naturellement, ne parviennent pas à sécuriser ce territoire qui est pratiquement l'un des territoires les plus difficiles à sécuriser sur le continent africain. À l'occasion de ce renforcement des casques bleus, il y a peut-être moyen de trouver la solution sur le plan sécuritaire, mais c'est encore un peu difficile de l'assurer. Il faut également, et Antonio Guterres l'a dit, que les groupes armés arrivent à un désarmement. Et c'est cela, d'ailleurs, la question la plus cruciale. Si le désarmement peut avoir lieu, parce qu'on en a tellement parlé, on en a parlé du temps de Patassé, on en a parlé du temps de Bozizé, on en a parlé du temps de Diotodia, on en a parlé du temps de Madame, l'ancienne présidente Catherine Samba Panza, on en parle du temps de Touadéra, il y a une nécessité, un impératif de désarmement des milices, mais aussi une nécessité de désarmement des cœurs, des intentions. Parce que, du mental. Oui, du mental, comme voilà, du centrafricain. Parce qu'il y a des rancœurs qui subsistent. On a vu des actes qui ont été posés. Un jour même où les forces armées centrafricaines, on a commencé à les réarmer, il s'est fait que c'est justement juste après le départ de la présidente Catherine Samba Panza qu'un jeune musulman du quartier PK5 s'est fait lyncher pratiquement sous les yeux des forces armées qui n'ont pratiquement rien pu faire pour sauver ce jeune homme. C'est dire que la haine, la propagande anti
musulmane et anti-chrétienne en Centrafrique a atteint un tel niveau que la tolérance est devenue, est arrivée à son niveau le plus bas jamais constaté en Centrafrique. Et c'est pour cette raison que les solutions proposées par le secrétaire général des Nations Unies donc, tiennent forcément compte de ces éléments, mais ce sont des solutions qui sont également un peu difficiles de mon point de vue à mettre en œuvre. Et vous croyez en un certain changement à l'issue de cette visite du secrétaire général de l'ONU? C'est peut-être là la réponse que je pourrais apporter à cette interrogation que vous avez donnée au début. Est-ce une visite pour rien? Je suis dans l'obligation, dans la triste obligation de me dire ou de répondre par oui à cette question-là. Est-ce une visite pour rien? Parce que ce n'est pas parce que le secrétaire général des Nations Unies est allé sur place que les pays donateurs vont combler le déficit qui existe à l'heure actuelle du jour au lendemain. Il manque 70% des ressources nécessaires par an à la Centrafrique pour mieux se porter. Et chaque année, les ressources fournies par les États ou par les organisations ou par les mécènes qui aident la Centrafrique, les ressources diminuent. Parce que c'est une crise qui est extrêmement grave, mais qui est également une crise oubliée parce qu'on en parle peu. On ne fait pas attention à la Centrafrique. La France, qui avait déployé une opération militaire sur place, a déjà retiré cette opération qui a quand même permis de sécuriser en partie la capitale Bangui. Les Français sont encore un peu présents à Bangui, mais au-delà de cette présence qui est surtout dans la zone de l'aéroport, au-delà de la capitale, il n'y a pas grand-chose qui se fasse par les forces internationales pour la Centrafrique. La mission des Nations Unies n'a pas le droit de prendre l'initiative de lutter contre les groupes armés. Cela engendrerait des conflits qui pourraient coûter la vie à de nombreux soldats des Nations Unies. Or, les Nations Unies ne sont pas dans cette dynamique de mener la guerre contre les groupes armés. Ils sont d'abord là pour protéger les populations. Et si il n'y a pas d'attaque directe contre elles, leur mandat ne leur permet pas d'avoir une action proactive. Au-delà de tout cela aussi, c'est que la Centrafrique a des acteurs politiques qui ne s'entendent pas et qui apparemment ne veulent pas renoncer à leurs intérêts propres, à leurs privilèges, que ce soit pour les groupes armés qui contrôlent des régions où il y a des mines qu'ils sont en train d'exploiter, ou que ce soit pour les gouvernants actuels, ceux qui se partagent le pouvoir autour du président Faustin Archange Touadéra à Bangui et environ. Il y a un peu trop de radicalisme, même si le président Faustin Archange Touadéra est élu démocratiquement il y a quelques années, il y a à peine 2 ans, semble pétri de bonne volonté, mais il ne suffit pas que un seul homme soit pétri de bonne volonté. La situation en Centrafrique est telle que si tous les acteurs ne se mêlent pas de la proposition de solution ou de l'apport de solution, cette visite de Antonio Guterres aura été une visite pour rien. Et malheureusement, c'est la situation, c'est la réponse que je crains de devoir donner à votre question. Jim, je voulais emporter la petite parenthèse que vous avez ouverte tout à l'heure. Malgré sa bonne volonté, le président centrafricain, forcément, quand je dois dire, peut-il se prévaloir de diriger la Centrafrique ou une partie de la Centrafrique? Faustin Archange Touadéra dirige une partie de la Centrafrique, une partie mineure, la capitale, quelques régions de l'ouest du pays. Mais plus on va vers l'est, plus les groupes armés font la loi. Mm-hmm. Que ce soit les anciennes milices Séléka, désormais totalement retournées dans leur division, qui s'affrontent même entre elles, qui, pour certaines, s'allient à des groupes anti-Balaka pour affronter d'autres milices Séléka. C'est devenu vraiment une chienlit, la Centrafrique, depuis une quinzaine, une vingtaine d'années. Devant une telle situation, Faustin Archange Touadéra, qui souhaite avoir une armée nationale dynamique, présente, capable de fonctionner, est également confronté à un autre problème, c'est celui de l'embargo sur les armes qui frappe la Centrafrique. Effectivement, les Nations Unies ont estimé que si on laisse les Centrafricains avoir la liberté de se procurer des armes facilement sur le marché international des armes, il y a ce risque que la guerre s'amplifie. Justement, cet embargo qui frappe les groupes armés frappe également de la même manière l'armée centrafricaine. Et le pire même, le pire de tout, c'est que l'armée centrafricaine, très officiellement, n'ayant pas le droit de s'armer, de se doter
de matériel ne peut pas donc améliorer ses capacités, tandis que les groupes armés, eux, ils peuvent, par les frontières poreuses qui existent, par les circuits du marché noir, se procurer énormément d'armes et donc se renforcer face à cette armée nationale, les FACA, qui sont devenus aujourd'hui peut-être un groupuscule destiné à la sécurité du président de la République, à la sécurité de la capitale Bangui, à quelques régions, mais qui n'ont pas véritablement les moyens de reconquérir la totalité du territoire et de le sécuriser. Déjà même que les forces des Nations Unies qui sont présentes n'en ont pas les moyens. Alors, la délicatesse de la situation qui prévaut en Centrafrique mérite bien plus que 72 heures de visite. 96 heures de visite, c'est déjà un peu. Ce n'est pas parce que le secrétaire général des Nations Unies aura élu domicile à Bangui ou bien même à Bangassou. Ou à Bria, ou que ce soit en Centrafrique, que la situation va se calmer. Bien au contraire, il se mettrait en danger personnellement, il mettrait en danger les soldats chargés de sa protection, il mettrait en danger. Il n'apporterait rien en passant toute sa vie en Centrafrique, vous savez. La solution à la crise centrafricaine se trouve entre les mains des Centrafricains, se trouve dans les cœurs des Centrafricains, des acteurs politiques centrafricains, des acteurs militaires centrafricains qui se partagent le territoire et qui n'ont d'autres objectifs que de gagner de l'argent, notamment par l'exploitation des ressources minières. Et tant qu'on n'aura pas résolu ce problème, quand on n'aura pas amené la jeunesse à renoncer à s'engager dans ces groupes armés où ils sont malheureusement aujourd'hui bien mieux payés que quand ils travaillent pour l'administration ou pour des acteurs privés, il n'y a pas de solution envisageable à court terme à cette crise centrafricaine. C'est tout simplement triste. Et c'est vraiment d'une grande tristesse. Merci James. Bonne journée. C'est moi qui vous remercie.